Les gars, on s'est arrêté sur le teco, on a trouvé un truc. Wesh. Bon les gars, on n'est pas sûr, là on pense avoir trouvé un autre spot. Par contre les gars, c'est un bourbier pour y aller. Bon les gars, on sait pas où on ira. Oh, je sais pas même aller de mon collègue, surtout. C'est lourd, ça a un problème. Bon les gars, on n'est pas sûr, là on pense avoir trouvé un autre spot. Par contre les gars, c'est un bourbier pour y aller. Ah mais là c'est Blair Witch frère, là c'est à deux doigts de trouver de sorcière frère. Bon les gars, on sait pas où on est là. On pensait vraiment avoir trouvé un spot. De jour, je pense en vrai, on pourrait le voir, mais là, parce que les gars, on a même pas de réseau, donc là, si on est dans la sauce, je vais me baiser en plus. On a des bêtes de lampe torche, mais bon, au bout d'un moment, ça fait pas le taf, quoi. Ça fait pas tout. Je suis pas sûr que ce soit par là qu'on soit venu, gros. Ah, attends, il y a des tas de je sais pas quoi là. Je crois que c'est un mec qui essaie de construire une maison. Déjà, on est pas du tout passé par là. Bah oui, je te l'ai dit, on n'est pas du tout passé par là, gros. Oh, le gros plan bourbier, frère. Ça y est. On aura failli mourir au moins 10 fois dans cette vidéo. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire des vidéos? Ça pour 100 vues, frère. Encore, 100 vues, je suis gentil. Ah, bâtard, je l'ai pris en pleine gueule. On n'est jamais passé par là. Ouais, là, je crois qu'il y a une route. Bon, déjà, on a trouvé un sentier. Voilà, déjà, on peut circuler. Oui, je prends des branches. Je suis concentré sur. Je suis en train d'essayer de cadrer. C'est pas facile. Mais bon, les gars, on va y arriver. On n'oublie pas, c'est pour 100 vues. N'oubliez pas de liker, hein, si jamais. Ou de disliker, hein. C'est vous qui décidez. Mais si vous likez pas, il y aura une sorcière qui va vous manger pendant la nuit. Ah bon, bah les gars, on a retrouvé la voiture. De toute façon, si jamais il nous aurait arrivé un truc, on aurait retrouvé notre vidéo dans 20 ans, les gars. On va finir par retrouver quelque chose au bout d'un moment, à force de tourner. Ah, mais encore. Attends. C'est pas là. Regarde là. Ça c'est pas... Y'a pas un truc là? Vas-y viens, on check vite fait. Hein. On check vite fait au pire. Les collègues qui finissent pieds nus. Ouais, bon. Wesh. Bon les gars, c'est dégueulasse. On est face à une biche qui est complètement... éventré, enfin c'est dégueulasse. Oh, ça pue ça. Mais oui gros, t'es con aussi. Ouais, elle nous regarde, elle nous dit au revoir. Ok les gars, on est prêt, on est en mode exploration. Là je mets un peu de lumière, mais là on va se faire cramer. On a réussi à trouver un spot normalement, mais il est sûrement protégé par des caméras. Donc si j'ai bien compris, c'est une ancienne maison de retraite abandonnée. Donc là attendez, on va faire des plans vite fait. Tout ça c'est l'hôpital du coup. Il y a sûrement des caméras de surveillance. Ouais, baisse. Faut qu'on fasse bélègue, donc c'est complètement barricadé. On va devoir trouver un moyen pour escalader. Ouais, on voit bien l'accueil, tout ça. C'est la merde. Mais bon, on va trouver un moyen les gars. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On n'est pas sorti de l'hôpital.
Ouais, je filme, t'inquiète, hein. On peut voir, là, il y a une entrée en haut. Putain, c'est énorme. Par contre, c'est surveillé, je crois qu'il y a des caméras. Ah, il y a des caméras, les gars. Surveillé par des caméras, on est un peu dans la sauce. On va trouver une rentrée et si on voit qu'il y a trop de caméras ou qu'il y en a, on va essayer de se barrer. On cherche moins d'entrée. Sinon j'ai vu il y avait un truc ouvert de l'autre côté, on va devoir escalader dedans. Ah bah tiens regarde, voilà, nickel. On a même pas besoin de se faire chier. C'est énorme les gars, vous vous rendez même pas compte de tous les bâtiments qu'il y a. Bon, je vois zéro caméra. Faut bien guetter. Putain c'est abusé. Ouais, il y en a qui sont venus dégrader les lieux. Les gars, c'est pas très sympa de dégrader les lieux comme ça parce qu'après, sinon on se fait attraper. Il y a encore des bombes de tag. S'il y en a qui dégradent les lieux après, les propriétaires sont moins enclins à laisser le champ libre sur les. Bon, de toute façon, s'ils vont se faire choper, ils vont les enculer. Et même si jamais nous on est. Putain. Ah, ils sont venus récemment en plus. Bon, c'est beau, hein, pas dire, mais bon. C'est pas le moment, enfin, c'est pas le moment, c'est juste pas l'endroit pour faire ça, les gars. Putain, ça descend et tout. Bon, gros, il y a une caméra par contre. Il y a une caméra. C'est une caméra, ça? Ou c'est une lampe? On dirait que c'est une caméra. Ah non, attends. Non, c'est une lampe. Putain, j'ai eu peur. Là, ça va, juste là. Attendez. Je me montre avec la lumière. Ça, là, j'ai cru que c'était une. On a une caméra, mais j'étais de. Merde. J'étais de côté. Je voyais pas le truc. Putain, c'est. T'aurais pu ranger tes chaussures quand même, hein. Franchement, t'abuses, gros. Putain mais il a des quelle année le bordel? 4K 60 FPS, c'est bien. C'est incroyable, c'est joli. Je pense. Il faut occuper les propriétaires. L'église. Il y a des courriers, j'ai fouté. La merde. Je peux marcher dans une poche. On va faire gaffe quand même. Le sol a l'air pas très solide. Ça m'inquiète un peu. J'ai le baril ici. Bien, hein. Il y a des bières là, putain. Là, il y a une fenêtre qui est pétée, ils sont dégradés à la fenêtre. Putain, les gars, si vous venez sur un spot comme ça, dégradez rien, laissez comme c'est quoi. C'est une valeur quand même.
Bon, si jamais au montage, s'il y a des trucs qui doivent pas être qui doivent pas apparaître, je le flouterai. C'est pour des questions de sécurité et surtout de protection du lieu. Parce que on sait très bien comment ça finit. Hein. Les endroits partagés sur internet, en général les gens évitent de les partager. Mais dès que les endroits sont un peu connus, ça vient dégrader. Quoi. Putain, y a les, tous les clés, tous les. Wow. Ça a l'air quand même très ancien. Il y a un étage, il y a plusieurs étages, il y a plusieurs bâtiments. Il y a du fentanyl, mon frère. De quoi ? Il y a du fentanyl. Non. Bon là, il y a des médicaments très puissants. Ah ouais. Bah forcément, il fallait calmer les patients, je pense. Je sais pas si c'est passé là-dedans. Plein de... On n'oublie jamais d'apprendre sa géographie aussi. Putain, il y a les doses et tout. C'est quoi ça? C'est du fentanyl. Sérieux? Ah ouais. Pas du tout ce qu'il y a là-haut, les gars. Je verrai bien en montage. Ok, attends. J'ai pas envie de me faire surprendre et de louper des trucs. Ah ouais, putain, les gars. Putain, pourquoi vous. Alors là, ça devait servir de stockage, je pense. Et il y a une vitre de l'autre côté. Je sais pas ce qu'il y a. Oh là là, gros, regarde. Je regarde le plafond aussi, il va falloir qu'on fasse gaffe. Hein. Il y a un étage, il y a plusieurs étages, il y a plusieurs bâtiments, comme je l'ai précisé avant. Et là, le parquet, comme je disais, il avait pas l'air très solide déjà en bas. Là en haut, il va falloir vraiment qu'on fasse attention, parce que déjà, là, il y a des trucs qui se sont effondrés, là. Comme on voit, il y avait une alarme. Ça, c'est une alarme incendie, je pense. Et ça s'est effondré du sol, là, ça pend, ça bouge encore. Alors qu'on n'est même pas monté. Vous vous rendez même pas compte comment c'est énorme là en fait. Et oh purée de nouilles. Donc là. Ok, donc en fait je comprends d'où ça venait. Donc là on va rentrer dans les. Sûrement dans les catacombes, je sais pas ce que c'est. La cave. What the fuck. Donc il y a des souterrains en même temps les gars. C'est bizarre pour les réseaux qu'on traite quand même. C'est vrai que c'est glauque. Par contre, pourquoi ils ont précisé que c'était surveillé et tout alors qu'il n'y a aucune caméra? Je sais pas, peut-être la dissuasion. Ils ont tenté de dissuaser. Ouais, bon là c'est de l'extérieur. Ouais, c'est énorme. Ouais, ça continue en plus là-bas, je pensais que c'était fermé. Oh, mais qu'est-ce que. On dirait une prison. Mais ouais, j'avoue, on dirait un. Et ça continue encore là-bas, gros. Regarde, ouais, regarde. Wow, c'est incroyable. La cloison a été cassée. Là. Wesh, il y a encore un passage là. On va pas passer par là, c'est trop dangereux. Non, c'est trop dangereux, mais il y a un accès sûrement quelque part. C'est incroyable. Du coup, ça devait faire réserve aussi. Ouais, je pense que ça devait servir de réserve. Voilà, regardez tous les plateaux là. Là, il y a encore de la bouffe. Là, il y a même de l'alcool. Et ça, à mon avis, vu la gueule de la bouteille, on dirait pas que c'est récent. Aïe, aïe, aïe. Oh,
Ah ouais, ici, effectivement, ouais, ça devait être les cuisines, je pense. Waouh, c'est incroyable. Vous vous rendez même pas compte. Ah, mais c'est pas vraiment dehors, en fait. Enfin, c'est pas vraiment en sous-sol, parce que là, on est quand même au niveau du... On est quand même au niveau du sol, en fait. C'est grand, quand même, hein. C'est... Ouais, c'est énorme. Dis-toi que là, on a rien regardé encore. Et tout. Ah ouais, donc là on revient. Ah ouais, d'accord, on est revenu. Mais pourquoi? On va être au niveau du réfectoire. Encore trop de place. Putain, il y a encore des tags ici. Ça a pas mal été dégradé quand même. Ça a été vraiment dégradé, les gars. Franchement, c'est... ça fait partie des premières fois que je suis de l'Urbex. Je partage mon expérience en même temps, je filme. Mais jamais j'aurais eu l'idée de dégrader un lieu abandonné comme ça, parce que justement, tout ce qui reste en état, ça fait la beauté du lieu, exactement. Et surtout, ça reste dans l'histoire, en fait. Tout ce qui, si rien n'avait été touché depuis le début, on aurait pu découvrir des choses. Enfin, pas découvrir des choses, mais surtout ancrer des souvenirs, vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, j'ai touché un truc, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça qui bouge. Ouais, bah, franchement, quasiment toutes les entrées sont dégradées. À mon avis, vu la grandeur du lieu et vu ce qu'on, les dégradations, à mon avis, je pense qu'on ne doit pas être les seuls dans les lieux. On ne doit pas être les seuls dans les lieux, à mon avis. Parce que vu toutes les entrées qu'il y a, à mon avis, sûrement, il y a des bières, etc. Ça a été servi de squat. Ça c'est récent aussi, je pense. Enfin, je pense, je sais pas. Il y a pas mal de personnes qui ont dû passer par là. Il y a énormément de passages. Il y a toute la tuyauterie. Oh là là. Oh les gars. On essaye de passer assez rapidement parce qu'il y a plusieurs bâtiments, on va essayer de visiter le plus possible. Mais wow, qu'est-ce que c'est que ça? Et on essaie surtout de faire attention aux détails et en même temps de ne pas se blesser. Parce que là, comme vous voyez, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a tout ce qui est en train de s'écrouler. J'essaie de pas m'éloigner de mon collègue surtout. Et je t'ai vu, gros, ça a rien de faire de la merde. The fuck? Ah! Wesh! Ça va pas, frère, t'es un malade. Est-ce qu'il y a de la lumière là? T'as envie de chier ou pas? T'as envie de chier, vas-y, hein. Je te couvre, je garde l'entrée. Ça devait être des chambres, je pense. Putain, il y a des noms sur les portes gravés et tout. Ça a été déjà de base, je pense. Pas mal de chambres. C'est énorme. Je sais même pas, vous rendez pas compte. C'est glauque, hein. Tu finis ta vie dans un truc comme ça. C'est chaud. De l'araignée. Une coloc étudiant. Voilà, c'est pas une coloc étudiant, là, c'est une coloc de fin de vie, ouais. Fais gaffe, il y a des câbles électriques, gros. Je pense que ça va être déconnecté, mais quand même, fais gaffe. Ouais, il y a un truc à exploser ou quoi ici? Ça a sûrement dû être cassé à la masse ou. Il ouais. Y a pas de trace de. Emplacement des sacs, qu'est-ce qu'il y a? Dans la parpose, quoi.
What the fuck? Comment ça retrouve à l'extérieur en 2-2? Il y a des trucs qui ont poussé dans le bâtiment ou quoi? Ah non, on est déjà à l'extérieur. On est à l'extérieur. Je comprends pas comment ça a été agencé le bâtiment. Ah ouais, ici c'était le stockage des des... Je sais pas ce que c'était, mais bon. Là c'était les binous ici. C'était... Putain, je suis viandé encore. Gros, tu penses à ce que je pense? Il y a une trappe pour aller dessous. Ça a été scellé, je crois. Même pas. Non, ça doit être compteur électrique. Oui, tu penses? C'est de la merdose d'animal. Viens, on monte à l'étage, on essaie de regarder un peu. Putain, mais gros, je t'ai dit que tu pouvais aller aux toilettes. Je t'ai dit que tu pouvais aller aux toilettes, gros. Je me balade dedans comme si c'était chez WoW. Ça fait une grande maison. Ah bah là, mon gars. Si ta femme, elle est pas contente avec ça encore. Bah là c'est le divorce direct. Hein. Par contre, je récupère la maison. Hein. Ouais, mais là, je... Là, les gamins, la garde, c'est pas la peine. Vas-y, viens, on remonte par là. Non, on a déjà passé par là. Non, mais viens, il y a un étage avant qu'on a pas fait. On va aller voir, on est pas allé voir. Enfin. Ouais, mais là, on doit faire tout le tour. Là, on doit faire tout le tour, là, faut qu'on repasse par. On va aller voir si il y a là-bas. Putain, bon, les trucs électriques, ils sont tous arrachés. Je baisse un peu ma cagoule vu qu'il n'y a pas de caméra, ça sert à rien. Parce que j'ai du mal à respirer. Garde là quand même, on sait jamais. T'inquiète, j'ai juste baissé la bouche. Tout qui se ressent pas. Ouais, c'est vrai que mec, c'est un moyen à finir fou là-dedans. Là, tu veux pas être pris en place hein. Ce qui m'étonne, c'est le nombre de portes qu'il y a qui est ouverte. T'as toutes les entrées qui sont ouvertes. Putain, y'a un petit fond vert là. De quoi? C'est toi qui as fait du mal. Comment ça? On passe à l'étage ou pas? Bon, en fait, là on va extrêmement vite parce que il y a beaucoup à visiter et on ne sait pas encore s'il y avait des caméras. On avait un panneau comme vous avez vu à l'entrée. Donc là on essaie de faire vraiment bellec. Mais on est comme vous avez pu voir sûrement quoi. Ouais, ça m'a fait flipper le truc au fond. Comme vous avez pu voir, mon collègue il est cagoulé, moi aussi. Pour des raisons de sécurité. Nous on ne vient pas pour dégrader comme ce genre de choses. Hein. Nous, on vient vraiment juste pour explorer, il n'y a aucun intérêt à dégrader un lieu qui est déjà assez dégradé par le temps. Même le dégrader tout court. Ouais,
enfin ouais, même dans tous les cas dégradé. Et c'est tellement énorme en fait, là on a fait un bâtiment sur je sais pas combien, je connais pas du tout l'endroit, je connais pas du tout le lieu. J'ai aucune explication à vous donner, aucune histoire. J'ai juste que c'est un ancien endroit là où les vieux en fin de vie ils venaient quoi. C'est un EHPAD je crois, ça s'appelle un EHPAD, c'est ça? Un ancien EHPAD et puis voilà. Mais bon. On visite ce qu'il y a à visiter de disponible, on a déjà fait deux spots qui étaient cramés, hein, qui étaient totalement rénovés, un ancien château. On a tenté d'aller sur un autre deux jours. Il était complètement barricadé, il y avait des mobilhommes à côté à proximité. Par contre là faut qu'on fasse vraiment attention. Parce que là gros, déjà je fais 70 kg poteau. Le truc il se bascule. J'ai du mal à respirer. C'est incroyable toutes les... Ah ouais gros, il y a des cassettes et tout. Oh, tu m'as fait peur. Regarde-moi les cassettes. Ah, c'est des VHS. Non, c'est des cassettes, regarde. Ouais, c'est des petites cassettes. C'est pas des VHS, ça. Mais ça, c'est pour écouter de la musique. C'est vraiment ancien. Je suis étonné qu'avec toutes les dégradations qu'il y a eu, il n'y a personne qui s'amusait à les prendre. Ouais, ça m'étonne, parce que ça vaut une fortune. Mais bon, on n'a pas le droit de dégrader. Enfin, dans les règles de l'Urbex, on n'a pas le droit de prendre les choses. Il faut les laisser telles qu'elles sont. D'après ce que j'ai compris dans la partie Urbex. Oh là là. Attends. Je rentre en premier, tu rentres pas derrière moi. Donc là, je vais éviter vraiment de pousser, d'aller vraiment au milieu des pièces. Fais gaffe. Hein. Non, on va éviter là. Je vais éviter d'aller au milieu des pièces parce que je sais pas au niveau où il en est. Comme je vois le bois là, comment il est là, ça me fait peur. J'ai pas envie de me retrouver. Oh, il y a des trucs de Polaroid et tout. Oh là là. La vieille valise. Regarde la vieille valise là-bas. Oui. JVC, Jean-Claude Van Damme. Et du chocolat XL. Wow, c'est vraiment ancien. Et ça monte encore. Hein. C'est énorme, gros. Fais vraiment attention. À tout moment, tout peut s'effondrer. En plus, je crois que c'était par là. Il y avait le sol peut... Ah là, il y a rien à voir là-bas. Oh, attends, je crois que j'entends parler. Coupe ta lanterne. Coupe. Attends, j'entends parler. Ah non, c'est des crapauds. Et un toit là les gars. Oh, il y a un deuxième toit sur le toit. Oui, qu'est-ce que c'est que ça, frère? C'est énorme. Oh, regarde là-haut gros. Tu vois, ça peut être important de regarder. Regarde, ça tu vois pas forcément de l'autre côté, mais regarde. Oh là. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut faire je vous montrerai pas là sur la caméra, il faut faire extrêmement attention. Ah, ça, là mon gars, tu marches sur ça, je te garantis, tu tombes en bas et tu te pètes la cheville. Et après pour te porter du... Wesh. Y'a quelqu'un? J'ai entendu du bruit à l'intérieur. Ça a bougé, frère. Y'a quelqu'un ou pas? On va rien vous faire, hein. On vient juste explorer les lieux. Par contre, si vous êtes agressif, on va être agressif aussi. Hein. Gros, il y a un matelas et tout avec des habits. Il y a forcément quelqu'un qui est dormi là. Mais j'avais entendu un bruit. Fais gaffe derrière la porte, gros. On voit pas. Vraiment. Wesh. C'est bon. On a déjà un vieux caniche. J'avais cru entendre du bruit, mais c'est peut-être le parquet qui travaille ou je sais pas. C'est le vieux qui a un peu la table comme ça.
Bah en fait, il y a sûrement des SDF qui viennent dormir ici, ou des squatteurs, ou n'importe. Donc le machin là, enfin, ah ouais, non, tu parles de la manière dont ça a été mis. Il a fait, ouais. Peut-être qu'ils ont relevé pour les mettre bien. En vrai, j'ai envie d'escalader les MDR. J'ai envie de monter, tu vois, mais en fait, je suis sceptique. Ouais, je suis sceptique. Déjà, si l'escalier s'écroule, on est bien dans la merde. Bah, ça doit être de, je sais pas, de l'amiante ou, ouais, ou. Tu vois, là, mon gars, là, c'est de pire en pire. Faut vraiment faire attention. Après, en soi, les fondations, elles tiennent, hein. Fais gaffe, gros, juste là. Là, je vois le truc, il est complètement arraché, là. Fais attention. Il y a des mecs qui se sont fait des batailles d'oreillers, les gars, c'est violent. Hein. On dirait qu'il. Vous trouvez pas qu'on dirait qu'il a neigé? Regarde, oh putain! Regardez-moi ça! Le sol, il est rempli de coton. Oh, le problème avec ça, les gars, c'est que là, on voit vraiment pas le sol, en fait. Fais attention, va doucement. Hein. Va doucement, gros. T'es un malade, toi. Il y a des traces de pas. T'es allé par là ou pas? Non. Il y a des traces de pas, regarde où ça va. Oh, mais il s'est passé. Mais il s'est passé quoi ici? J'ai pas vraiment d'explication à ça. Moi non plus là. Je t'avouerai que gros, dans toutes les pièces, comme vous pouvez voir. Les matelas, ils ont été éventrés pour être ensuite jetés à la déchetterie. Pour que ça prenne moins de place. Et ça ouais, ici, sauf que c'est quoi l'intérêt de d'éventrer tout ici? Franchement, je vois pas de dire. C'est une hypothèse. Ce serait pas un fou qui serait pété un câble, qui aurait pété un câble, il aurait arraché justement tous les matelas. Bah je sais pas. Hein. Il y a toutes les pages et tout, il y a tout qui est arraché. Il y a les livres. Moi je pense. Oh wow, et on dirait de la neige de malade. Il y a quoi là-haut? Oh. Il y a de la mousse encore en haut? Non, pas vraiment. Regardez, il y a tout qui est détruit. Il y a tout qui est complètement détruit. Regardez les seaux aussi. On dirait que c'est quelqu'un qui s'est amusé. Moi, je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui s'est amusé à mettre du coton partout pour tout faire cramer, surtout. Regardez, il y a même les pages des livres, etc. Il y a tout qui est déchiré. Mais pas les meubles. Pas ce qui est fragile. Il y a des vieux trucs. Enfin, justement, tout ce qui est fragile a été. Wesh. Tout ce qui est fragile a été détruit, mais pas le plus dur, entre guillemets. C'est peut-être, je sais pas moi, quelqu'un qui a fait ça, mais... C'est vieux, quand même. C'est quoi, ça? C'est une vieille boîte. Ouais. Je te propose qu'on aille dans les autres bâtiments. Ouais, attends, je vais faire juste un petit tour là-bas. Par contre, fais attention. Non, là, c'est des trucs, je pense. Ah ouais, on le voit. Ouais. Je fais attention là où je marche. Parce que là, regardez, vous voyez, le sol est complètement défoncé. On dirait. Je sais pas ce que c'est cet endroit. Mais peut-être. On va visiter d'autres bâtiments. On essaie de passer assez rapidement. Alors, moi, je regarde tout. Là, je coupe pas le rec, je suis à 60% de. Il me reste encore peut-être plus de 2 heures là, de record. Je suis à 60% de batterie tout pile sur la GoPro. Je vais remettre la caboule. Ah ben là, regarde où on est. Ouais, là, on est juste au-dessus. On retombe là où on était en fait. Pas passer la ligne, ok. C'est un deux principal. Non, t'inquiète, je sais. Regarde, t'avais des sorties. Putain. On est venu de là. Je l'ai pas pris la frontale. C'est que j'ai pris la caméra. Enfin, j'ai.
J'ai le la cagoule. Je mets juste une lumière. Et ça fait un bâtiment parmi tant d'autres. Là, regardez-moi ça. Regardez-moi encore tous ces bâtiments. Et c'est partout comme ça là. On a. Tiens, regarde ce que je te parlais tout à l'heure. Comme vous voyez là, on n'a rien à dégrader. Tout est déjà ouvert. Ah ouais. Ouais, ça vient sûrement de ça, je pense. Peut-être qu'ils ont voulu tout détruire, ouais. Wow, c'est ce massacre. Bon, on n'est même pas compte du bordel. Hein. Attends, attends, va doucement. Attends, tiens la caméra. Juste à côté de celui où on était. On est rentré, c'était un petit peu compliqué. Wow. On dirait que c'était des chambres. Des chambres sûrement pour le personnel. Sûrement, ouais. On dirait qu'il y a un chantier qui a été abandonné carrément. Voilà des trucs musicales. Ouais, il y a beaucoup de musique ici. Et c'était un concert ici. Ça faisait la grosse festa ici, c'était Projet X. Bon, au final, ça a tellement été Projet X, gros, qu'il y a tout qui est retourné. Là, ils ont mis un bébé. Oh, wesh. Oh, les factures et tout. Wow. Il y a tout qui traîne. Il y a un prêtre sur la photo. Merde, tu peux retenir ma... Attends, deux secondes, il y a la cagoule qui s'enlève là. Il y a les photos là. Ouais, il y a même un manuel photo là-bas. Ouais, ça c'était peut-être les personnes qui travaillaient là, et ça c'est les résidents. Ils avaient l'air quand même pas malheureux. Peut-être pas. Ils avaient pas tous le sourire. Hein. Je dirais que ça date des années au moins entre 60 et, en fonction de leur coupe de cheveux, le style qu'ils avaient, peut-être des années 40, 60, par là je dirais. Tout qui est très très ancien. Il y a des trucs un peu plus récents quand même. Mais ça, je pense que ça, il y a des choses qui n'ont rien à faire là. Genre, peut-être que les gens ont déchargé leurs poubelles aussi ici. Hein? Attends, il y a un étage. Intéressant ici à voir, je pense. Il y a l'ancienne machine de sport ici. Ah, quelle salle de sport, ouais. Ah, mais ça, c'est pour médical. Oh. Quoi? Le sol, il a fait un truc chelou. Je te jure, le sol, il a fait vraiment un truc bizarre. Regardez. Quand je suis monté, gros, ça fait un truc bizarre, sa mère. Alors moi je rentre pas dans les pièces. Hein. Parce que déjà que le sol il est bizarre. Wesh. Wesh, il y a des pétards gros, c'est quoi ça? Je m'en ferai une salle de torche.
Oui. Il disait quoi? C'était un truc médical, hein, après. Regardez, là on a une photo, une belle photo de l'endroit que c'était. Hein. Enfin, je pense que avant c'était comme ça. Pas du tout. Non, je sais pas. C'est pas du tout. Non, je pense pas. Ouais. Mais c'est chaud, il y a tous les gens qui ont la photo de leur famille. Bah ouais, c'est ça qui est cringe en fait. Il y a tout qui est resté sur place, quoi. Il y a même des trucs qui sont encore accrochés au mur. Ah, il y a Jésus. J'ai écrit, mais c'est bizarre. Voilà. Bon, on va pas monter, ça sert à rien. Regardez-moi la gueule du, du machin. C'est un meilleur moyen de se planter, ça. Déjà, on a du chemin pour repartir. Le collègue, il a failli mourir. Ça va être escalade, mon copain. Il y a d'autres bâtiments. Attends, je remets la cagoule. Vas-y, éclaire bien, je montre un peu aux gens là. Regardez-moi ça. Bon, c'est énorme. On a visité ça déjà. On a visité ça là-bas. Là, on va visiter ça. Et je pense qu'il y a d'autres bâtiments aux alentours. Peut-être pas. Hein. Là, il y a d'autres pièces. Là, c'est un vrai labyrinthe. Hein. Il y a tout qui a été explosé. Ah ouais, c'est dégueulasse. Regarde le mélange qui a été fait. Il y a un étage ou pas? Ouais, je crois qu'il y a un étage. C'est la même chose, je pense. Il y a des crottes de souris ou d'animaux là. D'animaux. Wesh. Ah, et là, il y a un endroit pour... Oh, what the fuck. Ok, là, il y a une... On
Ouais, ça c'est un atelier dehors. Mais attends, mais du coup, il y a un sous-sol alors. Non, il n'y a pas de sous-sol. Si, si, attends, regarde, je crois. Il y a un sous-sol. Si, si, regarde, ça descend. Ouais. Ça monte et ça descend encore. Oh non, ça doit être des chambres encore. Ouais, je pense aussi. Hein. C'est cringe sa mère, frère. Oui, ça continue encore là. Vestiaire, ok, il n'y a rien d'intéressant dans un vestiaire. Ouais. Et là, il y a toi, il y a quoi là? Ça continue encore là. Ah, c'est tout ce qui est en dessous, on n'en a même pas. What the fuck, frère? Wesh! Quoi? J'ai cru que c'était du sang, le truc par terre. Tu sais, il peut y avoir des cadavres là-dessous, frère. Wesh, il y a des trucs qui ont été creusés là. Oh! Pourquoi il y a des trucs qui ont été creusés? Il y a un mec qui l'a enterré un truc ici, tu penses? C'est probable, hein. Après tu peux pas savoir. Mets pas ta main dedans, gros, mets pas ta main dedans. Touche pas, touche pas. Wesh, c'est infini, gros. Wesh, il va trop me montrer. Waouh. Aïe. Le sol est bas. Y'a rien là? Ça continue pas? Ça va remonter alors. Ah ouais, c'est racine. Ah ouais, non, en fait, c'est les trucs qui ont poussé autour. Ouais, 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 c'est normal. C'est rien jusqu'à là. Sur des backrooms? Non. Y'a pas un là? Non. Il y a une bière là-bas, y'a un mec qui s'est tapé un petit kiff. Hein? Il y a des bières un peu partout dans chaque endroit. Il se tape des délires. Bon, ça continue pas. Ah si, là ça continue encore. Il y a pas grand chose. Hein. Ouais, ça coûte. Wesh! Mec, je croyais que c'était un vestiaire, mais gros, ça continue de malade là! Il y a une flèche là. Regarde, t'as des flèches. T'as des flèches un peu sur les murs. Regarde, frère. Attends, je vais remettre ma cagoule au cas où. Parce que je sais pas ce qu'on peut trouver ici. Attends. Parce que les flèches, ça a été rajouté à la main, ça. Ouais. Je sais pas ce qu'il peut y avoir là-bas. Oui. Le panier électrique. Ça, ça doit être la salle des maintenances ou je sais pas quoi. Il y avait un peu le chauffage, l'électricité. Chauffage. Ouais, chauffage, tout ça. Ce qui est pour vous. Ouais. Oui.
C'est dinguerie quand même. Ouais, ça c'est les pures électricités avec le générateur, je sais pas quoi. Et les bobines, je sais pas ce que c'est. Par contre, pourquoi il y a des flèches? Tu vois pas sur les murs, il y a des flèches là? C'est quoi, c'est pour indiquer la sortie ou non? Ah ouais? Pourquoi il y a des flèches là? Ah, c'est pour nous indiquer la sortie. On a fait le tour. Ah, mais attends, mais on est revenu au. Ah ouais? Il y a un bâtiment ou pas? Oh, on est revenu. C'est revenu au point de départ du coup. Il y a un briquet là-bas sur l'étagère. T'as envie de fumer. Il y a des bandits qui sont venus ici. T'as envie de fumer un petit truc? T'as le direct le briquet. Tu manges quoi? Tu veux te fumer un petit truc? T'as le briquet direct sur place. Bon, on a fait le tour. T'es sûr, il n'y a pas un autre bâtiment, un truc comme ça? Non, c'est tout ce qu'il y a. Attends, y'a un truc là. C'est quoi ça? Ah ouais, non, c'est l'espèce de toit qu'on a vu là. Attends, on va regarder ça. Il me reste 35% de batterie sur la GoPro. Wesh. Mauvais bail d'aller par là, attends. Wesh. Ok, ça continue, c'est normal. Si, si, y'a pas un truc là-bas, frère? The fuck? J'ai cru voir un truc là-bas, gros. Bouger. C'est bon? Ouais. Tiens, on va se calmer. Oh, t'as pas entendu? Ça bouge, frère. T'as un truc là-bas qui bouge. Ah ouais, tu penses à un animal? Je sais pas, j'ai capté un truc avec la GoPro. Si, y a des palettes là-bas, y a des trucs encore là-bas, gros. Là-bas, y a un bâtiment encore, regarde. Non mais regarde là, il y a des palettes. Ça là, bon, on l'a fait. Tout ça là, on l'a fait. Ça là, bon, on l'a fait aussi. On a fait tous les bâtiments. Et si, attends, ça, on l'a fait aussi.
Ça, on l'a fait, mais là-bas, l'autre bâtiment, tout là-bas. Non, ça n'a rien à voir. T'es sûr?